C'était par rapport au work. C'est pas comme si peut-être. Non, si elle, elle a voulu te cacher. Si elle a voulu te cacher. Tu sais comment, comme toi, tu peux me dire que. Et je n'aime pas quand tu prononces tel nom, moi, ça me met mal à l'aise, c'est tout. Je t'appelle Kubé, tu t'appelles Flo. Tu as cherché les discussions, non? C'est que tu ne comprends pas. Aussi, je comprends. C'est que tu comprends pas. Je vais tout verser. Est-ce que moi, je perds le nom quand je vais faire quelque chose? Je vais rester dans le noir, je vais opérer. Dans le noir. C'est une chose que je n'apprécie pas. Regarde, par exemple, toujours, tu as pris l'engagement, tu appelles chez nous, tu as dit ce que tu avais à dire. Moi, les gens m'ont appelé derrière, mais j'étais. Elle dit maintenant l'engagement. Je vais vous faire écouter le voice où elle est en train de m'expliquer ce que je vais dire chez Lolo. Mais maintenant, je ne sais pas ce que compresseur a dit là-bas. Tu reviens, tu commences à dire qu'on va faire le direct. Compresseur t'a dit que je vais faire le décryptage sur cette vidéo. Elle t'a dit. Oui, elle a dit qu'elle va faire le décryptage. Elle m'a dit à moi. Elle t'a dit à toi qu'elle va faire le décryptage sur cette vidéo. C'est quelle vidéo? C'est la vidéo de Patricia Mel. C'est la vidéo où je suis en train de parler en direct. Mais c'est pas pour, tu veux que je l'appelle là? Si je l'appelle. Si tu veux l'appeler, tu l'appelles. Attends, je vais l'appeler un peu. Oui. Elle m'a dit qu'elle devait faire le décryptage sur ta vidéo. À moi, si. Moi, je n'aime pas les trucs comme ça, sincèrement. Elle m'a dit ça où, à quelle heure? Dans son direct, elle m'a dit que j'ai dit à ma personne que je vais faire le décryptage. Mais, elle a dit de dire, est-ce que moi je suis son direct? Est-ce que moi je l'écoute tout le temps? Même toi-même qui l'est, est-ce que tu es, par exemple, on a te causé, son direct a te passé, est-ce que tu regardes? Tu ne regardes pas. Moi je ne la suis pas comme ça. Que tout le temps, dès qu'elle fait le direct, je suis là, je suis. Non. Si tu veux l'appeler. C'est elle qui m'a même parlé du truc de Patricia, mais elle avait mes sangs. Que comme tu vois là, je vais faire le décryptage, tu as vu ce que elle a fait, tout ça là. On n'a même pas fait allusion à toi. Elle sait que je ne suis pas en contact avec toi. Donc, elle ne peut même pas me faire allusion. Elle ne sait pas. Comprends-tu, elle ne sait pas que je suis en contact avec toi. Avec eux, avec personne. Moi, je ne parle pas de toi avec eux. Hein. Moi, je ne parle pas de toi avec eux. Hein. Donc, quand tu te dis que des critères, je te sens t'aider. Moi, je n'écoute pas. Dit que ma ça, c'est la personne qui dit que depuis 2015, on ne s'est pas vu. Elle parle pour parler. C'est pas comme ça. Je vais te dire que moi, je ne veux plus. Elle décide de faire son décret. Est-ce que ça me. Moi, je ne veux plus avoir des ennemis sur mon dos. Je ne veux plus avoir des ennemis sur mon dos. Je ne fais pas de direct. Je ne veux plus moi. Par exemple, quelqu'un voit peut-être un décryptage. Je dis que je ne veux plus moi avoir des ennemis sur mon dos. Je ne fais pas moi de direct. Je ne fais pas de direct. Et je n'ai pas moi de partie prise sur des trucs. J'ai mais décidé. Mais que tu as de partie prise, tu es passé dans un direct, non? Qui m'avait demandé de passer? Mais tu savais que je devais passer, non? De ça, tu savais que je n'étais pas. Mais c'est toi qui m'as appelé pour me dire que pas. Il t'a dit même que ne passe pas. Tu as dit que tu passes, non? C'est comme si c'était forcé que va dire ça, va dire. Tu as dit ce que tu avais à dire. Est-ce qu'il t'a appelé pour te dire que oui, pourquoi tu as dit ça? Non, tu as appelé, tu as dit ce que tu avais envie de dire, non? Et puis après, tu parles comme ça, les gens disent qu'ils veulent faire le décryptage sur ça. Est-ce que maintenant, ça va se retourner contre moi? Non, ça ne s'est pas retourné contre toi. Je t'ai dit ceci. Si elle t'a dit qu'elle doit faire le décryptage, tu lui dis non parce que c'est ma voix qui va sortir. Mais si elle me dit que j'ai peur de te dire qu'elle m'a dit qu'elle fait le décryptage, j'ai peur de toi pour te dire ça. Si elle veut te dire qu'elle va faire le décryptage, est-ce qu'elle m'a dit que je vais faire le décryptage sur telle vidéo? Isabelle, n'arrête pas avec les têtes de mort. Elle me dit que je devais parler, il y a une vidéo là qu'on a bien clashé mes sangs et tout et tout. Je vais faire le décryptage sur la vidéo de, comment on appelle là, de Patrice. Naomi, non, je n'arrête pas, c'est trop facile. Il fallait dire à Flore d'arrêter quand elle inventait les choses sur moi. Je n'arrête pas, ma. Est-ce que quand tu dis qu'elle a dit ça pendant le direct, est-ce que ça c'est le début. Moi, je n'ai pas vu. Je peux seulement même mettre mon téléphone comme ça, je ne parle pas. On entend comment elle-même a celle quand elle a envie de gnasse. Elle va faire le décryptage. Je l'ai appelée, j'ai dit pardon, ne fais pas le décryptage avec ma voix. Moi je lui ai dit. J'ai dit ne fais pas le décryptage avec ma voix. Elle dit que non, elle ne va pas lancer la balle sur moi. J'ai dit non, ne fais pas avec ma voix. Parce que si tu fais avec ma voix, ça va attirer l'attention des gens. J'ai déjà parlé avec Lolo. Quand toi tu vas faire le décryptage, les gens. Moi je l'ai appelée, je ne vais pas te cacher. Je l'ai appelé pour dire. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu l'as appelé en fait? C'est maintenant que tu me dis que tu l'as appelé. Pourquoi tu m'as. Quand toi tu l'appelles, tu me dis. Quand toi tu parles avec eux, tu me dis. Pardon, tu sais quoi, maman? Pardon, maintenant. Maintenant. Ok. Donc toi tu parles avec tout ce monde. Moi je vais porter les ennemis sur mon dos. Je ne suis plus dedans. Je n'ai jamais dit de porter les ennemis. Oui, moi je ne suis plus dedans. Je parle avec qui je veux. Oui, je parle avec qui je veux. Si tu es avec eux, sont tes amis, c'est tout. Ok. Si tu veux prendre comme ça, tu prends comme ça. Je suis fatiguée d'être toujours derrière comme un toutou. Tu parles avec ces gens et moi ce sont mes ennemis. Pourquoi? Ouais.
Ne mets pas les pépites. Non, arrête un peu. Toi, tu regardes toujours ton côté. Tu ne vois pas le côté d'une autre personne. Non, quand Flore me clashait, ils étaient tous là-bas en train de dire « Coco est mauvaise, je suis mauvaise et j'accepte. » Non, ça me dérange. Le monde tourne autour de toi. Non, j'ai l'impression que le monde tourne autour de toi. Ça ne me dérange pas. C'est pas pourquoi ça ne me dérange pas. Mais pourquoi tu te fâches alors que pourquoi il ne t'avait pas été dit? C'est quand toi, tu causes avec lui. Oui. Je parle avec qui tu veux. Ouais, la fin, il serait seule. Ça me fait quoi? C'est tout. C'est elle qui va toujours venir chez moi. Mais oui. C'est quoi? Va dormir. Qu'après, je vais dire qu'après, tu seras seule. Je m'en fiche. C'était avant que j'avais peur d'elle. Je n'ai plus peur d'elle. J'ai supprimé la vidéo où elle me faisait le chantage chaque fois. Quand j'ai des bébés avec elle, elle me dit que tu essayes, je vais balancer ça aux gens. Parce que j'étais avec un costaud. Quand on a fini de faire la touche pas, elle a pris le téléphone, elle a commencé à me filmer. J'étais là comme ça, là, avec la personne. Moins d'erreur, elle me renvoie la vidéo là que tu essayes, je balance dehors. J'ai supprimé. Je vais voir ce que tu vas encore balancer sur moi. Je vais voir ce que tu vas balancer sur moi, Flore. Que Flore m'a donné les papiers. Ma fille porte. Je suis folle. Ma fille peut porter ton nom. Tu veux qu'elle commence le mbok à 5 ans? Ma fille peut porter ton nom. Tu te lèves, tu dis que cette fille, elle m'a toujours enregistré. Les photos, on avait fait les photos pour la demande d'asile. C'est tata, nana, ta copine qui nous filme, on était couchés au lit. Ce n'était pas un truc arrangé. Ce n'était pas un truc arrangé. Quand la dame là nous filme, elle fait la photo, elle te renvoie la photo. Toi, tu me renvoies. Je n'avais pas le numéro de tata, nana. Quand la fille renvoie la photo là se retrouve dehors. Comment? Je vais vous expliquer. Quand elle constate que je continue à parler avec mon ex, je ne vais pas prononcer son nom, que je continue à parler avec mon ex, on était à Saumur ce jour-là. Flore a pris la vidéo, elle a pris sa photo et moi, comme elle savait que la fille était calme, elle a pris la photo où j'étais avec elle. Puisque la fille m'écrivait sur Messenger, elle a renvoyé la photo là à la fille là. Je vais vous expliquer comment la photo là se retrouve dehors. Je n'ai jamais envoyé cette photo dehors. C'est quand ça se retrouve chez Joël que j'étais étonnée. Et ça se retrouve chez Joël. Joël était en colère contre moi parce que Flore avait clashé les filles de... Flore avait clashé les filles de... Les Nathalie de Monaco, qu'elles n'habitent pas à Monaco, ils sont à Marseille. Et tout, et tout. Je vais vous expliquer comment je me retrouve en train de commenter avec Flore. C'était... Donc, quand elle a commencé à insulter les filles, on a flashé à Joël que Flore était lélé. Je vais vous expliquer la vérité, comment je me retrouve chez Flore. Que Flore était lélé. Joël était fâché parce que je suis partie piéger Flore et je suis arrivée, j'ai commencé à Yamou. Je vais vous expliquer pourquoi les choses se retrouvaient chez Joël aujourd'hui. Joël était même en colère. Elle dit que je ne comprends pas, tu ne veux plus donner les informations. Mais là, d'un coup, je vois la photo, vous vous embrassez, vous faites ceci. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que Flore avait insulté les filles, elle a lavé Joël sur Facebook. À l'époque, quand elle venait d'insulter sa cousine, c'est la vie. Là, elle dit que c'est moi qui est venue dire à Marie-Lou que sa mère était folle. Si Compresseur est honnête, elle peut citer le... Elle parle avec toi, Flore. Demande à Compresseur de te dire le nom de tes cousines qui venaient dire des choses à Compresseur. Je n'ai jamais dit que ta mère était folle. Pour l'enregistrement, j'assume parce que j'ai supprimé ça parce qu'il y avait aussi mes choses dedans. Je n'ai pas seulement aidé Nadège. Tu as enregistré Nadège quand Nadège passait, quand Nadège parlait avec toi. Elle répondait au client. Tu as enregistré. Tu as tout enregistré, tu as mis de côté. Parce que tu as utilisé Nadège pour te venger de Compresseur. Tu as utilisé Nadège pour te venger de Compresseur. Je saute même les trucs. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Et... Les photos, c'est... Attends, je vais d'abord commencer par les photos. Les photos se retrouvent chez Joël. Joël m'appelle, elle est fâchée. Elle dit qu'elle va poster. Je supplie Joël que non. À l'époque, il y avait un autre compte qu'on appelait 500 euros. Ou c'était 500 euros. Joël commence à se fâcher que non. Comment tu pars en mission? Tu arrives, tu commences à aimer la personne. Tu ne donnes plus les informations. Moi, j'étais en mission chez Flore dès le départ. Après, quand j'arrive chez Flore, je vois qu'elle est trop gentille avec moi. On commence à faire des trucs. Elle me dit que oui, on peut tourner, on peut faire ceci. Je commence à faire avec Flore. Et je l'étais fâchée. Parce que ce que j'étais allée faire, je suis arrivée, j'ai commencé à Yamou. J'invite Flore à Sens. Le jour où Flore a insulté Amot à Sens, elle était avec moi. Quand elle a commencé à insulter Michel et Somba, elle disait couple complet, complet et tout. C'était à Sens où Flore était venue me voir.
Elle est venue à Sens, ça s'est bien passé et tout. Je ne voulais plus trop donner les informations sur elle parce qu'on était déjà bien. Je suis maintenant fâchée. Parce qu'on m'envoie en mission, j'arrive, je commence à Yamo. J'ai dit que non, c'est quelqu'un de bien et tout. Elle me donne même des conseils et tout. Flore ne m'a jamais donné les papiers. Ce n'est pas Flore qui me donne les papiers. Quand les problèmes commencent avec Flore, pour calmer ma famille, j'ai dit à ma famille que c'est elle qui me donne les papiers. Flore me donne les papiers que... N'est-ce pas les Françaises? Pourquoi elle ne donne pas alors à sa mère? Parce que si sa mère avait les papiers, c'est que la Maté est déjà rentrée depuis. La Maté est encore là parce qu'elle n'a pas de papiers. Elle est en train de faire les démarches là par rapport à ça, pour que la mère rentre. Elle veut utiliser le nom de la mère pour demander l'appartement du WOC. Dès que sa mère a les papiers, comme elle est personne âgée, c'est facile qu'on lui donne même un truc de 40 mètres carrés. Là, nous, on devait utiliser ça pour le WOC. Depuis sa mère ici, là, elle n'est pas rentrée parce que la mère n'a pas encore les papiers. Pourquoi elle me donne les papiers que... Pourquoi elle ne donne pas alors à sa mère? Parce que j'assume toujours, je manque... Oui, c'est elle qui m'a donné les papiers. Son nom figure dans mon récit. Le nom de Flore ne figure pas. Je vais vous faire écouter quand je vais passer chez Lolo. Parce que là, quand je parlais avec elle en ligne, après elle avait appelé pour dire ce que j'allais dire chez Lolo. Je vais vous faire écouter. Je sais que où tu es la Flore, tu m'insultes seulement dans ton cœur. Tu m'as lavé l'autre jour, non? Tu me dis que tu veux faire un direct, j'accepte. Tu dis que B, je vais calmer la situation si. À ma grande surprise, tu te retournes contre moi. Non, je ne peux pas laisser. Jusqu'à dire que la fille m'a enregistré les photos que j'avais faites pour la demande d'asile. Quelle demande d'asile? Quelle demande d'asile? Toi, tu peux donner les papiers à quelqu'un. Tu peux donner les papiers. Quand je t'ai même proposé de donner les papiers à l'angla du pays, tu t'es fâché. Il y a les preuves, il y a je vais faire la capture d'écran, je vais poster après le direct. Où tu dis que si j'arrive au Cameroun, je pars avec l'enfant chez la femme là, tu vas m'ennuyer. Tu vas faire ceci, Coco, je vais te détruire. Les Nadège ont parlé dans leur direct, dit que j'ai donné l'argent à la dame, elle a construit la maison avec. Je vais vous allez voir ce qu'elle est venue m'écrire par rapport à ça. Attends. On cite les gens qui sont passés chez Amer Kamer, tu es toi calme. Tu dis seulement les prostituées, les ceci, alors qu'on était là-bas. Je t'ai dit de rendre tout ce que tu as pris chez Amer Kamer. Je vous montre d'abord les messages. Quand j'ai commencé à lui dire que n'oublie pas que quand tu descendais avec les choses, je faisais la vidéo. Effectivement, j'ai fait la vidéo. Quand elle descendait avec les trucs, elle voulait me créer des problèmes. Voilà le message, la réponse de Flore. Vous pouvez capturer. Voilà ce qu'elle m'écrit. Attendez, comment je vais faire pour... Voilà, voilà le nom du petit qui est chez Amer Kamer. Oh. Vous pouvez capturer. Voilà le nom du petit. Elle refuse de rembourser l'argent du petit là. Même l'argent d'Alès, elle ne veut pas rembourser l'argent d'Alès. Les 250 euros qu'elle devait donner à Alès. Elle a préféré payer la boisson chez Alès sans rembourser l'argent d'Alès pour me créer des problèmes avec le gars là. Alors qu'elle avait bien worké. Tu vas work, garder ton argent. Chez Amer Kamer, elle a fait pareil. Elle a travaillé chez Amer Kamer. Elle est quittée aller en Suisse. Revenir là-bas, me retrouver sans payer l'argent de la personne. Tu vas travailler. Moi, je vais te rester. Payer. Alors que moi, j'avais déjà payé la première semaine. La deuxième semaine, c'est toi qui allais payer. Pourquoi moi, je vais payer? Pourquoi? Tu ne travaillais pas. Il faut dire aux gens que tu travailles avec les photos de Karim Mongwe. Dis aux gens que tu work avec ces photos. Ça fait qu'on insulte les gens qui work ici avec les photos des gens. Tu es toi calme. Tu es toi calme. Coco va porter le chapeau. Coco va faire ceci. Non, je ne suis plus dedans. Oui, Flore, je t'avais prévenu. Ça me fait quoi? Elle est partie bloquée. Je ne vois plus sa photo de profil. Elle est partie bloquée. C'est la personne qui dit qu'on ne se parle pas depuis... Non, je vais vous montrer la date. Là, elle a bloqué. Je ne vois plus sa photo de profil. Bloque, tu vas me débloquer seul. Je ne cours pas. Je ne cours pas. Tu reviens seul. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire écouter le truc.
J'ai les enregistrements sur le téléphone, si, et c'est bon. Elle dit que passer Lolo, il faut dire que je n'ai jamais parlé de mes amis. Il faut dire que quand je suis avec les gens, même quand on veut aborder le sujet de mes amis, je casse. N'importe quoi. Tu me pousses devant pour revenir dire que c'est toi qui avais dit que, alors que tu m'as laissé un verse pour me dire ce que j'allais passer dit là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi Flore est fâchée. Flore est fâchée parce que une fois, je reste avec Flore. On était à Tours. Et c'est Nadège qui m'avait envoyé à Tours. Quand j'arrive à Tours, chez le gars qui nous donnait l'appartement, on a fait 4 jours là-bas. Et le gars revient me dire qu'il y a une autre gars qui va venir walk là-bas. C'est où je descends en bas. J'appelle Nadège. Je dis à Nadège que, mais comment le gars s'est dit qu'il y a une personne qui va venir travailler ici alors que je suis avec Manga? Et tu sais que Manga fuit les gens. La fille peut venir reconnaître Flore. C'est le voice que je laisse à Nadège. Nadège a commencé à parler avec une autre fille. Je ne savais même pas. Nadège a commencé à parler avec... Je me perds même. Quand je reste avec Flore vers 2 heures, Tata Yvette était en train de parler à Flore vers 2 heures. Hein. Flore me réveille. Flore me dit que Yvette vient de me dire quelque chose là, elle a mentionné ton nom. J'ai dit qu'elle a dit quoi? Elle me dit que Yvette dit que Nadège, elle est au courant de ce que je faisais avec Nadège. J'étais sur la défensive, j'ai commencé à nier. J'ai dit que moi si, j'ai vu Nadège depuis 2019. Elle dit que pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu as vu Nadège? J'ai essayé de camoufler. J'ai dit que non, Nadège m'avait montré un endroit, je suis allée travailler et tout et tout. Elle dit pourquoi tu ne m'avais pas dit, comment les problèmes? Non, comment? On a bagarré là-bas chez le gars là. On a bagarré chez le gars parce que la fille, Tata Yvette avait dit ça à Flore. Maintenant, le matin, j'appelle Nadège. J'ai dit à Nadège que ma, ça a cuit. Flore au courant que je suis en contact avec toi. Nadège était en ligne avec moi. Nadège me dit, appelle Yvette Ngomati. C'est comme ça que j'appelle. Yvette ne savait pas que c'était la conférence. J'appelle Yvette, je commence à parler avec Yvette. Nadège écoutait. Je supplie Yvette. Quand Yvette a parlé, j'ai reconnu beaucoup de choses dans tout ce que Yvette me disait. Je savais que c'était vrai. Parce que Yvette a parlé de Toulon. Moi, j'ai envoyé Nadège à Toulon. Les villes qui marchaient, quand Nadège me dit que c'est comment et tout, j'ai dit que oui, là-bas, c'est à Waka. J'étais là-bas avec ma personne. Nadège est partie là-bas. Après maintenant, quand je calme Yvette, Tata Yvette, elle dit, OK, comme j'avais déjà commencé à parler avec ta personne, je ne vais pas te noyer. J'ai dit, OK, merci, ma. Je rentre. Flore me dit qu'elle va appeler, comme elle voulait appeler Tata Yvette que devant moi, Flore me dit qu'elle va appeler Tata Yvette. Je ne veux pas d'un truc, c'était en août, hein. Oui, c'était en août 2022, si. Elle appelle Tata Yvette, elle parle avec Tata Yvette devant moi. J'ai commencé à dire que, est-ce qu'elle a dit quelque chose de mal? Elle dit que non, mais le problème c'est que quand elle a dit que tu étais passé, Tata Yvette n'a rien dit à Flore. C'est Bachot qui est venu dire des choses à Flore. Maintenant, Antoine Bachot est maintenant venu raconter des choses, dire comment je sortais avec Nadège et tout, Nadège est lesbienne depuis le Cameroun. J'ai dit à Nadège que c'est chaud. Même Antoine est venu dire des choses à Flore. C'est où Nadège et moi, on s'arrange pour se clasher. J'ai dit à Nadège que je suis obligée de t'insulter parce que je dois prouver à Flore qu'il n'y a rien entre toi et moi. Nadège et moi, on s'est insulté, mais c'était un truc arrangé. On s'est insulté devant Flore. Flore a dit « bloc ». Quand j'ai commencé à parler avec Nadège, on s'est insulté d'abord au téléphone. Flore a dit que « raccroche, elle va t'enregistrer ». J'ai raccroché. Après, Nadège est maintenant venue me laisser le message. Elle a commencé à m'insulter et tout. Moi-même, je l'ai aussi insultée puisqu'elle savait que c'était un truc arrangé. J'ai bien insulté Nadège. Flore ne savait pas que c'était un truc arrangé. Maintenant, attends, je voulais me dire quoi. Mais quand j'ai fini de m'insulter avec Nadège, Flore est convaincue qu'il n'y a rien entre Nadège et moi. On part travailler, on rentre. J'étais à Auxerre. Flore devait me retrouver à Auxerre. Je reste le 12. Flore m'envoie encore un autre message. Je vais vous montrer ce que j'ai dit à Nadège quand Flore m'a envoyé le message. Là, j'envoie le message à Nadège pour dire que Tata, tu m'as tué. J'ai dit que Tata, tu m'as tué. Flore,
Je suis en ligne avec Flore. Puisque Nadège m'appelait quand j'étais en ligne avec Flore, je vais vous montrer. Je sais que tata, tu m'as tué. Flore, oh, les faux profils sont allés dire des choses à Flore. Parce que moi, j'étais toujours étonnée que, mais pourquoi quand il y a quelque chose, ça sort toujours de. Parce que moi, je n'ai jamais dit à Flore que j'étais en contact avec Nadège. Je n'ai jamais dit à Flore que j'étais en contact avec Nadège. Je vais vous faire écouter. J'ai dit, je suis en ligne avec Flore. Elle me dit des choses. Tu m'as tué. Parce que Flore me dit ceci. Voilà le message que j'envoie à Nadège. Parce que Nadège m'appelait. Attends, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça, ça se voit même. J'envoie le message à Nadège. J'ai dit, je suis en ligne avec Flore. Elle me dit des choses. Tu m'as tué. Parce que quand Flore me renvoie le voice là, elle me renvoie le voice, elle me dit ceci. Que j'avais dit que je n'étais plus en contact avec Nadège. Je suis toujours en contact avec Nadège. Elle renvoie un voice. Et Flore a reconnu quand la fille... La fille parlait, parce que c'était pas un voice que je pouvais trop nier, parce qu'on parlait d'un truc, et on a appelé le nom d'Alès. Puisque j'ai dit à Nadège que, Nadège a fait écouter le message que je l'avais envoyé pour lui dire que, mais, comment tu peux, comment Alès peut faire venir une autre personne alors que je suis là-bas avec Manga? Flore ne veut voir personne, parce que même quand Flore pas travaillé avec moi quelque part, le propriétaire ne peut même pas rentrer chez lui. Parce que Flore a peur. Elle se cache toujours. Le gars ne rentrait même pas à la maison. Quand le gars arrive, il doit rester à la cuisine. Je prends, s'il veut quelque chose dans la chambre, je prends, je donne au gars. Maintenant, quand Flore m'envoie le voice là, c'était le 12 septembre. J'ai dit à Flore que je ne suis plus en contact avec Nadège. Puisque elle-même, dans le voice là, on parlait en bassa. Nadège parlait en bassa avec Laure. Et elle a fait écouter le voice que j'ai laissé. J'ai dit à Flore que on ne parle pas de toi. J'ai commencé à mentir que non, peut-être parle d'une tata avec qui nous on tourne souvent avec elle. Elle dit que non, la fille parle d'elle. Puis moi, je ne comprenais pas ce que Nadège disait en bas ça. Flore a commencé à me traduire. C'est où j'appelle Nadège. J'ai dit à Nadège, je renvoie ça à Nadège. Quand je renvoie à Nadège, Nadège a reconnu la voix de la fille. Elle me dit que c'est Laure. Elle me dit qu'elle va traiter la fille. J'ai dit que pourquoi tu fais ça? Elle s'est excusée. Les excuses de Nadège. Parce que les excuses de Nadège, je renvoie à Flore pour calmer Flore. Je dis que elle dit qu'elle est désolée. Laisse. Parce que Nadège dit que je pouvais contrôler Flore. Je vais contrôler une personne qui est à distance. Quand les Antoine sont venus dire, quand elle était à côté de moi, là, je pouvais bien étouffer. Là, elle est déjà loin. Comment je vais contrôler une personne qui a déjà commencé à faire les postes? Je dis à Flore de qu'on laisse. C'est pas grave, je vais bloquer Nadège. J'ai promis à Flore de ne plus voir Nadège. Elle dit qu'elle ne laisse pas. Elle a commencé, j'ai appelé, quand je parlais avec elle, j'ai dit que je rajoute compresseur dans la conversation. C'est pour ça que vous allez écouter la voix de compresseur là. J'ai dit que je rajoute compresseur dans la conférence. Elle et moi, on s'est arrangé de parler autre chose devant compresseur. Vous allez tout écouter le début et quand je rajoute compresseur dans la conversation. C'est comme ça que je rajoute compresseur. Je savais que compresseur allait calmer la situation. Flore était décidée. J'ai dit à compresseur dit à Flore que si Coco a déjà même fait une journée avec Mbappa les choses sur Coco, je supplie Flore, je dis que laisse. Flore me dit qu'elle doit appeler Lolo. J'envoie le message à Lolo, je dis que Lolo, Flore va t'appeler. Ma pardon, défends-moi. J'ai dit à Lolo que défends-moi. Flore n'a pu appeler Lolo parce qu'elle était déjà décidée, elle voulait prouver au monde entier que Nadège est comme ça, Nadège est comme ça. Elle a commencé le poste. Nadège a vu le poste, elle a fait la capture, elle m'envoie. Elle dit que Flore fait tout ça, mais Flore n'appelle pas son nom. Quand Flore a commencé à faire des directs sur Nadège, je n'étais même pas à côté de Flore. J'ai calmé Flore, compresseur a essayé de calmer, mais Flore ne voulait pas. Elle voulait seulement prouver au monde entier que Nadège est comme ça, Nadège est comme ça. Je vais vous montrer le jour où elle est venue, le jour où ça a déclenché tout ça. Elle est venue exposer Nadège sur Facebook. Maintenant, comme ça dépasse Flore, elle n'a rien sur Nadège. Et quand Nadège dit encore que c'est moi qui avais supprimé l'application pour enregistrer les gens dans son téléphone, elle est dans tous ses états parce qu'elle n'a plus de balles sur Nadège. Les balles qu'elle avait sur Nadège, c'est quand Nadège était avec le client et tout ce que Nadège complotait avec elle.
Nadège disait, ne quitte pas. Nadège donne des prestations. Elle revient, elle parle avec Flo. Flo enregistrait, elle ne savait pas. J'ai supprimé le truc là dans le téléphone de Flo par amour pour Nadège. Elle se lève l'autre jour, elle dit que c'est Coco qui avait supprimé. Nadège, je t'ai sauvée. Tu sais que si Flo balançait ça dehors, la honte allait te tuer. La honte allait te tuer. Parce que toi-même, tu reconnais ce que tu disais à Flo le jour là. J'ai sauvé beaucoup de personnes. Même mon cam qui est là, il rit avec toi. Est-ce que mon cam, c'est qu'il y a la caméra? Il y a les caméras de surveillance dans la chambre où il se branlait le jour où il était au Cameroun. Est-ce qu'il sait qu'il y a ça là-bas? Mon cam ne sait pas que tu as mis les caméras partout. Tu viens dire que je cogne les têtes des gens. Toi, tu as appelé combien de personnes pour dire aux gens que mon cam a naqué les membres de la réunion pour dire que c'est sa vraie sœur qui est morte? Si je commence à appeler le nom des gens et Flo, je vais te cogner la tête avec beaucoup de personnes. Je reste sur mon affaire et toi. Je ne te demande pas d'assumer, mais je n'accepte pas que tu me méprises devant les gens pour venir supplier après. Je n'accepte pas. Tu te lèves, tu m'insultes pour venir dire que B, c'était même pas méchant, que rien de méchant. Quelqu'un t'insulte, la personne vient te dire que B, c'est rien de méchant. Rien de méchant quand tu dis que mon roi, que le roi doit m'arrêter. Qu'il faut que sa famille. Allô, B. Ouais. Je viens d'écouter le message. Non, c'est pas ça. Je vais faire écouter où tu me dis ce que je vais passer dit chez Lolo. Que le roi, que la famille, je parle à la famille de Coco. Cette fille est mauvaise. Je l'ai donné les papiers. Tu m'as donné les papiers. C'était un truc pour calmer ma famille. Quand tout le monde disait qu'on ne veut plus me voir avec toi, j'ai signé un gangang que c'est toi qui m'as donné les papiers. La preuve, quand tu arrives ici chez moi, quand les gens arrivent, tu dois te cacher parce que je ne veux pas qu'on te voie ici. Sinon, on serait dans les problèmes. Je connais les têtes plus que toi. Même Dorine qui t'a aidé là à faire venir ta mère, si j'ouvre ma bouche sur le côté de Dorine, tu vas t'en sortir. Tu me trahis, même ça ne me dérange pas trop parce que même ton fils, tu trahis. Quand tu arrives chez Denise, ton fils parle avec Denise. Tu as trahi ton propre fils, Flore. Ton fils ne parle pas avec Denise, mais quand tu arrives à Paris, tu es chez Denise. Hein? Les gens du pays vont me tuer. Et Karma, il dit que tu... C'est la personne qui dit que depuis 2000 trucs. Je suis embrouillée à trop des enregistrements. Je peux faire écouter ce que je ne voulais pas faire écouter. Le coco. Cette fille est mauvaise. Elle m'a publié. Je lui ai donné les papiers. Je n'ai rien demandé. Je n'ai fait ceci. Même si tu m'avais donné les papiers, on était en couple. Même si c'est toi qui m'avais donné les papiers. On était en couple. Mais ce n'est pas toi qui m'as donné les papiers. Et tu sais très bien que ma fille ne porte pas ton nom. Ma fille ne porte pas ton nom. Voilà le nom qui est sur la pièce d'identité de ma fille. Ma fille ne porte pas ton nom, Flo, capturé. Vous allez voir s'il y a Magina Flo Kenkam sur ça. Attendez. S'il y a Magina Flo Kenkam sur le passeport de ma fille. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais filmer après. Je vais barrer son nom de famille. Vous allez voir s'il y a son nom. Elle va vous sortir l'autre. Elle va vous sortir l'acte de naissance qu'on a fabriqué pour qu'elle prouve à compresseur que ma fille porte son nom. Ma fille ne porte pas le prénom de Flo. Quand tu as commencé à raconter à tes gens que l'enfant porte ton nom, tu m'avais dit, tu ne m'avais pas dit. L'enfant qui allait porter ton nom, c'est l'enfant que tu m'avais tapé, c'est sorti. Quand on était chez la grande sœur de Montcalm au Creusot, on était allé travailler, on a bagarré là-bas. J'ai fait une fausse couche.
C'est l'enfant-là qui devait porter ton nom. Celle-ci ne porte pas ton nom, ton prénom parce qu'elle a son père. Elle a un papa. Je n'ai pas fait le don de sperme. C'est pas un bébé. Je suis pas allée faire le don du sperme pour avoir ma fille. Tu es choquée. Parce que pour Flore, c'est que dès que la fécondation in vitro marche, j'ai dit au père de l'enfant que ça n'a pas marché. Comment je vais dire à une personne que ça n'a pas marché? Il sait le jour où il a donné la semence. Il sait le jour où, parce que moi, on m'a fait la ponction le 17 octobre 2019. Il a donné sa semence le même 17 octobre. Et on m'a fait le transfert d'embryon le 22 octobre 2019. 14 jours après, le test était positif. Flo me dit de dire à la personne que ça n'a pas marché. Et si un jour il me croit, ici il vient et que je suis enceinte, je vais dire quoi? Tout ça parce que je devais faire un bébé sans père. Oui, elle voulait que le bébé soit que on n'a pas de garde partagée avec le père. Pourquoi? Pourquoi? Quand je sais que le père de l'enfant peut un jour bénéficier quelque chose derrière son père, je vais mentir le père que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on devait faire l'homoparentalité. Non, Flore. C'est avant que j'acceptais tout ça. Même mon premier fils là, il a 17 ans le 12 décembre. Dans un an, tu n'auras même plus droit. Oui. Puisqu'on a fait l'homoparentalité pour lui. Pour lui donner les papiers franches. Dans un an. C'est-à-dire que je vais vous montrer le document que elle a fait, j'ai fait sur internet pour qu'elle prouve à maman Pépé que l'enfant porte son nom. Comme moi-même, j'ai fini avec le faux. J'ai fait ça une seule fois, tac, 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 sur l'ordinateur. On a tiré, envoyé à maman Pépé. Elle confirme que l'enfant porte le nom de Flore. Ma fille ne porte pas ton nom. J'ai donné les papiers à cette fille, c'est une mauvaise fille. Coco m'a toujours enregistré. Coco m'a toujours... Toi, mais tu n'enregistres pas les gens. Tu n'enregistres pas les gens. Tu sauvegardais les trucs des Amot Cheki. C'est pas chez moi que tu sauvegardais quand tu parlais avec les Amot. Tu sauvegardais tout ça que chez moi. Quand tu parlais avec eux, mais ça, c'est, tu dis que ben, ne supprime pas, garde ça, on ne sait jamais. Et c'est, je suis la mauvaise. Tu avais que, tu n'avais même pas encore les bébés avec eux, tu les enregistrais. Tu as fait 1000 directs sur moi. Tu vas m'insulter, ça va te faire quoi? Ça va me faire quoi? Voici le 17 quand Flore vient avec les problèmes. Elle m'appelle d'abord, je ne décroche pas. Voilà ça. Elle m'a bloqué. Je ne sais pas comment elle va faire. Vous allez voir son numéro que c'est elle. Elle m'a bloqué. Parce que quand elle a vu que j'allais faire le direct, elle a appelé. Ça, c'était quand? Elle a appelé. C'était le 14. L'affaire s'y a commencé depuis le 14. Depuis le 14, quand elle m'envoie le truc. Vous pouvez faire la capture d'écran. Voilà les voices de Nadège que je l'ai même envoyé pour calmer. Voilà ça. J'ai envoyé à Flore pour calmer Flore. Qu'elle est en train de menacer la fille. Ouais, dis-moi, Laure, ne parle pas dans les habitudes, Laure. Dis-moi ce que je t'ai fait pour que tu en arrives là. Même quand Nadège a demandé les excuses, j'ai dit que Bé, elle a demandé les excuses. Laisse, parce que je calmais Flore. Laisse, comme elle n'était pas à côté de moi. Quand les Antoine sont venus parler, elle était avec moi. Là, je pouvais bien étouffer. Là, comme elle est loin, comment je vais calmer ça? Parce qu'elle fait maintenant comme si c'est moi qui l'envoie clasher Nadège. Et quand j'étais même amie avec Nadège, je n'enregistrais jamais Nadège. Je n'avais jamais enregistré Nadège. Parce que si je voulais enregistrer Nadège, Nadège marche avec... Quand Nadège est à la maison, elle met les petites robes de nuit là. Je pouvais prendre le temps.
J'ai fait même les vidéos sur Nadège. Je n'avais pas les intentions de faire quelque chose à Nadège. J'étais vrai avec Nadège. Je commence à enregistrer Nadège quand l'affaire de Tata Yvette, quand les bachots sont partis parler à Flore, je suppliais Yvette de ne pas parler de ça à Flore, parce que j'étais avec Flore. Je suppliais Yvette. C'est quand Tata Yvette et Compresson m'ont dit que Nadège t'enregistre, elle enregistre les gens. C'est où j'ai commencé à enregistrer Nadège. J'ai commencé, c'est pour ça que je n'ai rien sur Nadège. Je n'ai rien sur, à part les enregistrements qui sont sortis à la dernière minute. Si je voulais enregistrer Nadège, c'est que j'ai commencé à enregistrer Nadège depuis 2019. Je ne l'enregistrais pas, j'étais vrai avec elle. Je ne vais même pas lire les commentaires, vous allez me déconcentrer. Je mens, tu voles. Pourquoi tu mens? Elle dit, attends, j'attends les vosses avec Nadège. Ça a été de Nadège, j'ai retiré mon nom. Bref. Tu peux entamer un truc qui te dépasse. Maintenant, tu viens maintenant t'accrocher à moi. Dans tout ce que Nadège a dit. Parce que quand elle dit l'autre, c'est toi. Hein? Quand Nadège dit que Coco est parti avec l'autre, l'autre c'est toi. Tu sais bien qu'elle s'adresse à toi. Maintenant, comme tu veux maintenant, tu as peur d'elle parce que tu sais qu'elle a les balles sur nous. Tu t'accroches maintenant sur l'enregistrement que c'est moi qui avais supprimé ça. Donc j'allais laisser ça alors que toi-même, il y avait aussi ma part dedans. Puisque tu as enregistré tout le monde. L'application là, c'était que quand on t'appelle, ça commence seulement à enregistrer et ça sauvegarde seul. Ce n'est même pas le Jacques qui propose que dans 30 jours, tu peux supprimer. Non, l'autre là, c'était l'application. Quand tu appelles seulement Flore. Et même maintenant, elle a encore ça. Elle a encore ça dans son téléphone. Elle a téléchargé l'autre dans son téléphone pour enregistrer les gens. Quand tu appelles Flore, ça commence seulement à enregistrer. Oui, j'accepte, je suis diable. Quand elle m'insultait là-bas, il fallait aller dire là-bas que non, Flore, ne fais pas ça. Flore, ne fais pas ça. Vous voyez seulement quand moi je réponds. Je suis diable, j'accepte. Le voice là était même en bas ça. Hein. Moi je ne comprenais même rien. C'est elle qui m'a traduit. Voilà le voice qui déclenche tout ça. Hein. Que Marie-Thérèse Babon. Ou quand Flore sortait avec Marie-Thérèse Babon, j'étais déjà en Europe. J'étais pas moi en Europe. J'étais bien en Europe. J'étais pas moi en Europe. Je connais l'affaire de Marie-Thérèse Babon. Tu es en train de traîner, peut-être sans le savoir, tu as l'air super exprès. Juste par Yvoko. Comment ça? Juste pour pourquoi en Thalais. Nadège a ses problèmes avec l'or. Moi, je n'ai jamais vu l'or. Nadège me parlait de l'or chaque fois. Je n'ai jamais vu l'or. Quand les problèmes commencent, je prends le voice et je renvoie à Nadège. Nadège dit qu'elle a reconnu la voix, c'est l'or. Est-ce que le voice était... Donc, c'est le voice qui fait en sorte que Flore déclenche tout ça. Parce qu'elle a commencé par faire les postes. Elle n'appelait pas encore le nom. J'ai calmé Flore. Même Compresson a calmé Flore quand on a fait la conférence. Elle a calmé Flore. Elle a dit à Flore que non, laisse. Si tu fais ça, c'est une autre personne qu'on expose. Parce que Compresson savait que Nadège, si j'ai seulement fait une semaine avec Nadège, Nadège a les choses sur moi. Compresson a calmé Flore. Flore ne voulait même pas comprendre. Elle dit que renvoie. Elle a fait un direct. Je reste Nadège, m'envoie un message pour me dire que voilà Flore qui est en train d'appeler mon nom. J'arrive, je vais faire un direct sur toi. Comment je vais contrôler une personne qui est à distance? Je vais classer les enregistrements ici. Parce que je peux fuck up là.
autre femme mariée à qui tu as donné le comptoir du piment. Voilà les trucs. Quand elle envoie ça, voilà où j'envoie le truc à Flore. Parce que je reste... Quand la DG me transfère ça, j'envoie à Flore, j'appelle Flore, je calme Flore. Eh. Je calme Flore, je dis à Flore que non, ne fais pas ça, laisse, laisse. Voilà ça. Comme tu as peur de Nadège, Flore, tu as peur de répondre à Nadège. Tu as peur de répondre à Nadège. C'est pour ça que tu viens t'attaquer à moi. Et quand tu viens t'attaquer à moi, c'est pour ça que tu viens me clasher. Tu me dis que tu vas faire un direct pour calmer le truc. On m'appelle pour me dire que c'est toi que Flore clash là-bas. Je t'appelle. Tu ne décroches pas. Et le message qu'elle m'envoie quand je l'appelle, elle me dit que c'est rien de méchant. Puis elle savait que je sortais. Je n'étais pas connectée. Parce qu'elle était en ligne, elle s'est déplacée pour aller parler à côté. Elle parlait avec moi. J'ai dit que mais on m'appelle pour me dire que tu es en train de me clasher. Elle dit que non, je n'ai rien dit de méchant, bé. Donc je vais accepter tout ça. Rester toujours comme la dernière fois. Quand tu t'es levé pour me clasher, tu m'as cogné la tête avec toute la famille. Raconter les choses qui n'existaient même pas. Pour me créer les problèmes avec ma famille, je suis restée tranquille. Je n'ai pas parlé. Tu viens dire que depuis on était au tribunal, même là maintenant, on a encore un autre procès. Tu as versé le gombo sur Christophe. Comme tu es jalouse comme quoi. On dit souvent que tu pouvais même être jalouse qu'avec une gars. Toi, tu es jalouse même d'un homme. Le monsieur est arrivé, tu as versé le gombo sur lui, il a porté plainte. Tu ne t'es pas présenté. Mais moi, je suis partie. J'ai dit la vérité au père de ma fille, il m'a accompagnée, je suis partie. Toi, tu n'es pas partie. On nous porte plainte, c'est toi qui crée les problèmes. Je te défends même. Le jour du procès, tu ne passes pas. Avec tout ce qu'on a raconté sur le Watt, là, on a même inventé les choses sur lui. Le jour où on nous attend, toi, tu ne passes pas, je me présente là-bas seul, alors qu'il t'a porté plainte. Je suis que témoin, parce que c'est toi qui as bagarré avec le monsieur là chez moi. Toutes tes bêtises là, tu viens faire ça que chez moi. Tu as bagarré avec le monsieur chez moi. Tu as commencé à dire au monsieur que oh, c'est toi qui m'as donné les papiers, tu ne veux plus nous voir ensemble. Ça a créé des problèmes, il allait porter plainte. J'avais même filmé ma plainte là. J'ai dit à Nadège que Nadège, regarde. Le monsieur là nous a porté plainte. Je fais comment? Nadège a dit, il faut te présenter. Je suis partie seule, tu n'étais même pas là. On t'a encore convoqué, toi tu n'es pas partie. Après, tu viens mentir que la fille, là, je ne la vois plus. Ça fait des années. Si attends, ce qui m'a encore choqué, c'est que si elle voit qu'elle va se vanter avec mon nom, je me vante avec ton nom, Flore. Je me vante avec ton nom quand c'est toi qui me supplie. Je vais sortir les enregistrements. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Quand c'est toi qui me supplie, je vais me vanter avec ton nom. Malchance. Je me confonds avec tes fans. Je ne suis pas fan de toi. Il faut faire ça à tes fans. Je ne suis pas fan de toi. Je ne suis pas fan de toi. Donc tu es une gars comme toutes les gars que je bouille. Donc je ne suis pas fan de toi. On cite maintenant les gens qui sont passés chez Amé. Tu es toi calme. Moi je porte le chapeau seul. Pourquoi? Pourquoi il veut porter le chapeau seul? Tu n'as pas travaillé chez lui. Tu n'as pas travaillé chez Amé. Jusqu'à tu donnes même le monsieur qui était dans l'autre chambre d'en haut, le monsieur est sorti à 4 heures pour rentrer. Freddy nous dit que non, il ne dérange pas. C'est un monsieur qui ne parle pas. Tu as dit que non, il ne peut pas rester dans la maison. Le monsieur est parti, il n'avait même pas où aller. Le monsieur a pris le train très tôt le matin pour partir. Alors qu'on pouvait bien rester dans la chambre d'en bas. Tu dis que non, le monsieur doit partir et tout et tout. Tu sais qui nous avait envoyé là-bas? Tu es trop bête, Flore. Tu es trop bête. Parce que même quand tu te lèves pour dire que oui, cette fille et moi ne se voit pas et tout, tu me fais rire. Parce que les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Parce que même tes fans là qui parlent là, qui viennent commenter, qui m'insultent, ils sont seulement là pour te soutenir parce qu'ils vont faire comment? Tu es déjà comme ça. On cite le nom des gens, tu es toi calme et tu viens encore. Ce qui m'énerve, c'est que tu viens encore sur Facebook dire que les filles qui tirent les balises, les filles, toi tu ne tires pas. Toi tu ne tires pas. On devait partir où lundi si? Lundi si, on devait partir où le 4? Tu vas continuer à tirer seul. Moi je ne traîne plus avec toi. Je vais faire mes choses une place.
Maintenant, c'est une place. Tu traînes seul parce que tu utilises aussi mon image. Quand on arrive quelque part, c'est moi qui est devant. Toi, tu es dans la voiture. Je ne vais pas prendre les clés. On me voit. Toi, on ne te voit pas. Tu reviens maintenant après, quand j'ai déjà installé les choses. Tu entres comme le serpent. Moi, je suis devant. C'est pour ça que quand tu arrives, quand tu veux faire tes dégâts, tu fais les dégâts. Tu sais que même si tu pars, je t'ai dit, si tu ne remets pas les choses que tu as pris là-bas, je veux parler, Flore. Je veux parler. Tu as dit qu'il donne l'adresse et le nom. Donc, tu renvoies d'abord les 350 euros. Tu vas d'abord renvoyer ces 350 euros. Attends, je vais envoyer le message. Je vais montrer le message qu'il a envoyé. Tu commences à dire que non, pour qu'on paye, il faut leur dire qu'ils sont procénètes. Pourquoi? Quand on va travailler chez quelqu'un, on nous réclame l'argent. Tu commences à dire que non, dis que ce sont des procénètes, on ne donne rien. Ce sont les procénètes, mais la maison là nous a aidés. Oui, tu commences à dire qu'on ne paye pas. Dis-lui qu'il faut lui faire peur que je vais faire un direct sur lui. Pourquoi? Pourquoi moi je suis mal vu? Il réclame son argent, toi tu veux faire un direct sur lui. Voilà ça, le 28 je t'ai envoyé. C'est lui qui doit te rembourser. Écoutez, hein, quelqu'un réclame son argent. Ça c'est la capture d'écran que j'ai envoyé à Flore. Quand le gars a commencé à réclamer son argent, il a envoyé le message. J'avais envoyé ça à Flore le 28 août. Le gars commence à réclamer son argent. Elle menace qu'il faut dire au gars qu'on va faire le direct sur lui. Il veut gagner encore après tous ces problèmes. Écoutez, et la bouteille avait déjà... Vous pouvez faire la capture d'écran. C'est fou, les trucs là. Attendez. Une personne qui réclame son argent, elle écrit ceci en bas. Ben, elle veut qu'on tue l'argent du petit là. Elle veut tuer l'argent du petit. Elle ne veut pas rembourser. Mais le poisson était gâté. Tu n'as pas vu que j'ai mis dans le plastique, j'ai jeté dans la poubelle. Non, c'est pas ça. J'ai mis dans le plastique pour ça sentait déjà trop fort. Donc j'ai jeté. Je viens comme ça d'arriver là. Ça, c'est le verre. Ça, c'est le 27. Parce que Flore et moi, on se sépare le 27. On était à Limoges. Ça, c'est le 27. Le message, si elle me laisse ça que le 27. Parce qu'elle avait pris le train très tôt le matin. Elle devait aller en Allemagne. Avec maman Pépé. Samantha. Yaya. Samantha. Tu peux me donner ton deuxième téléphone. J'ai transféré les enregistrements dans ton deuxième téléphone parce que je ne peux pas écouter ici. Tu as les écouteurs. Tu peux me donner ton deuxième téléphone là. J'ai transféré les enregistrements là-bas. Quelqu'un réclame son argent, tu commences à menacer la personne de procénète. Il faut lui dire que tu as la vidéo de l'appartement. Il faut dire que ce sont des procénètes. On ne rembourse pas B, on rembourse quoi? Alors que tu as bien pointé là-bas, aller bouffer en Suisse, quand tu partais à la soirée. Si tu veux nier que tu n'es pas passé chez Amé Kamé, je vais montrer la vidéo là ici en public. On va écouter ta voix. Je vais vous montrer.
chaque fois. C'était bien dit que je n'avais pas moi les balles sur Nadège, à part les trois vorces là. Les trois enregistrements. Tu dis que non. Tu vas clasher, voilà, ça, ça te dépasse. Maintenant, tu dis tatana. Tatana. Parce que tu as peur si elle verse tout. Si elle verse tout maintenant, je m'en fiche. Même le vorce, Nadège, je fais écouter où on est en train de gnasse. J'ai que envoyé le son à Nadège, c'est la vidéo. C'est la vidéo, j'ai qu'à envoyer le son à Nadège. Nadège a que l'audio, elle n'a pas la vidéo. C'est toi qui gnasse, c'est toi qui dis que tu m'as mis dans quelle bouteille. Je t'attache seulement. Ça c'est quand, on était chez Amer Kamer. C'est elle qui parle à côté de moi. Hein. J'ai la tête des peules. Comment tu as la tête des peules? C'est elle qui demande le sopalin. C'est elle qui parle à côté. Elle écoutait la veuve. Je vois un truc ici sur la photo. Avec les cours. Ouais. Oui, je peux travailler avec. C'est facile. Quand je te vois, moi, les cœurs. Putain, les étoiles, maman, les étoiles, voilà. Elle me flatte avec les fausses. Ça casse pires. Même, tu vois, on me voit trop avec les longs. Mais quand tu mets les. Ça me fatigue beaucoup. Là, on était chez Amer Kamer. On a fait ça quand? On était chez Amer Kamer quand? Amer, là, il ne sait pas ce que tu as fait chez lui. Les gens qui entrent chez des gens sans rien laisser. Tu profites parce que tu as la voiture. Tu veux toi go pour que ça reste calé sur moi. Je suis ta moins chère. Freddy a dit que si tu ne donnes pas l'argent, voilà, c'était le 23. On était chez Amer Kamer le 23 juin. Juillet. Oui, on était chez Amer Kamer le 23. Non, le 23 juin. Parce qu'elle est quittée chez Amer pour aller en Suisse. Voilà la date. On a tapé 2 semaines là-bas. Elle a fait 5 jours. Elle est quittée, elle est partie. Ensuite, elle est revenue finie la 2e semaine. Tu peux me dénigrer, pourquoi? Et ça, c'était chez Alès. C'est elle qui danse là derrière moi. Je cherche où elle est en train de danser. Donc, Flo, arrêtez de dire que... Arrêtez de dire que Flo m'a donné les papiers. Ce n'est pas Flo qui me donne les papiers ici. Vous voyez bien, là voilà. C'est elle qui est là derrière moi. Là c'est chez Alex. Amel était chez toi. Quand on cite le nom des gens qui sont passés chez toi, elle est calme. Hein? Elle est calme. Elle commence à menacer parce qu'elle ne veut pas donner l'argent du petit là. Elle commence à dire qu'on ne paye pas. Si t'appelles encore B, dis-lui que je vais faire un direct sur lui. Dans les 350 euros du petit. Il se bat comme ça quand Amer n'est pas là pour avoir quelque chose sur lui.
jusqu'à elle conditionne même Freddy. Elle dit que non, le gars qui est chez toi doit sortir. Elle ne peut. Freddy dit même que le gars n'a pas où aller. Elle commence à conditionner que le gars de tout doit sortir. Ici là, elle est en train d'écouter le direct de Coco Lago. Elle est en train d'écouter le direct de Coco Lago. Vous allez entendre sa voix à côté. J'ai l'autre vidéo même. C'est elle qui fait. Ça, c'est quand Demanou était passé dans le direct de Coco Lago. Ah, mais voilà ta cuisine. La personne qui dit que Coco Kou et tout, nous, on aime Flo telle qu'elle est. Ça me fait quoi? Si vous l'aimez, ça me fait quoi? Donc elle va venir m'humilier parce que vous l'aimez. Elle vient raconter des choses sur moi. Je ne viens pas aussi parler. Alors que je traîne avec elle. Même lundi, si on a réservé un truc lundi, on devait aller ensemble lundi. Où on a réservé. Elle dit que ça me fatigue beaucoup. Ça me va bien. Si vous l'aimez, ça me fait quoi? Si vous l'aimez trop, il faut dire que non. Quand tu sais que tu es avec Coco Kou et tout, fais attention, fais juste attention. Elle menace même le petit. Voilà quand j'ai commencé à lui dire que ok, Dieu merci que j'ai fait les vidéos quand tu sortais avec les choses là-bas. Elle dit maintenant que donne-moi. Elle dit que donne-moi son adresse. Voilà le message qu'elle envoie. Ça, c'est le message d'hier. Pour le petit qui est chez. Voilà le nom. Amé, tu connais le nom de ton petit qui est chez toi. C'est Freddy William. Voilà ça. Elle dit que continue ton travail. Amé Sally, à mes détracteurs. Je suis déçu de toi. Tu es déçu de moi, hein? Moi, je suis déçu de toi. Voilà ça. Je l'ai lavé propre. Elle m'a bloqué le matin. Oh, qui m'appelle? Allô? Oui. Pardon. Hein? T'es dans ton rappel, s'il te plaît. Quoi, tout détache, Flo. C'est Flo qui m'a attaché. Je détache quoi sur elle? C'est elle qui m'a attaché. Elle n'aime pas me voir avec un gars. Chaque fois que je suis avec une femme, elle crée les problèmes. Elle menace. La dame qui publiait ma fille chaque jour là-bas au pays, elle a menacé la dame là jusqu'à. Je voulais faire écouter les enregistrements là sur le direct. Chaque fois que je suis avec une personne, tu veux m'écarter de la personne. Étais-moi bien ici avec Nadège Mbappa. On n'avait pas nous de problème. On tirait nos valises ensemble. On traînait nous ensemble. Tu es venu nous séparer. Il t'a même dit que j'allais bloquer Nadège. Je n'ai fait rien sur Nadège. Tu es parti. Maintenant, ça te dépasse. Ça te dépasse. Tu as peur. Tu dis maintenant que je n'ai pas allé plus. Nadège continue avec la consignée. Parce que tu as peur. Tu as peur. Tu comptais que sur les enregistrements pour casser Nadège, pour prouver aux gens que Nadège tire les valises avec le complot par rapport à l'enfant de Perpétue. Tu comptais que sur ça. Et le petit Congo, ça. J'ai supprimé Pian. Va te pendre.
que j'ai attaché Flore. J'ai le temps là. J'ai le temps d'attacher Flore. Comment je vais entrer chez un marabout pour dire que je suis venue attacher une femme? Chez nous, ça ne se fait pas. Même ce que je fais, je sais que le Coran n'accepte pas. Le Coran n'accepte pas. Après, tes abeilles peuvent m'insulter comme ils veulent. Les abeilles peuvent m'insulter comme ils veulent, je m'en fiche. Mon message est déjà passé. Il fallait que je trie parce que j'ai des choses à couper. On dit... Mais chaque fois, c'est toujours que Coco est mauvaise. Coco, vous-même, vous posez-vous la question. Flore était amie avec qui? N'est-ce pas, elle était amie avec Nathalie Babalé? Elle était amie avec Patricia Mel, non? Elle était amie avec les Jaguars à Mout, non? Donc, vous voulez seulement dire que c'est toutes ces personnes qui cherchent les problèmes à Flore? Vous voyez seulement quand la personne répond. Depuis, je ne faisais plus des problèmes avec Flore. Parce qu'on avait décidé de ne plus faire des problèmes. Même quand il y a des problèmes, si Flore est chez moi, on laisse les enfants partir quand même à l'école. On fait nos problèmes ici, là, deux places. Depuis que l'affaire de Nadège Mbappa a commencé, que je suis en contact avec Nadège Mbappa, même si je dis à Flore que j'ai besoin de telle chose, elle va dire que va demander chez Nadège Mbappa. Même si j'ai besoin de quelque chose, même les miettes, elle va dire que va demander à Nadège Mbappa. Parce que les gens disent que oui, quand tu n'étais pas avec Coco, vous êtes sûr que Flore et moi, on s'est déjà séparés. Ça, c'est la première fois que j'ai des problèmes avec Flore. Ça fait une semaine. On ne s'arrange pas. Et je préfère même que ça reste comme ça. Flore reste de son côté, je reste de mon côté. Parce que si elle revient encore, je vais continuer à l'enregistrer. Elle me met ça. Même quand elle parle avec moi, elle dit que je sais que tu enregistres. Elle dit que non, j'enregistre pourquoi? J'enregistre, elle sait que j'enregistre. Donc, si elle fuck up encore, elle retourne avec moi, c'est que c'est sa mort qu'elle vient chercher chez moi. Oui. C'est sa mort qu'elle vient chercher chez moi parce qu'elle va toujours continuer à enregistrer. Parce qu'elle, je l'enregistre, je ne peux pas nier. Parce que demain, quand elle se lève, elle m'insulte. Elle raconte des choses, elle invente les choses sur moi. Attendez, je vais vous montrer mon récit. Vous allez voir si le nom de Flore figure sur mon récit. Si son nom figure sur mon récit. C'était un truc qu'on avait arrangé quand les photos sont sorties. Que B, mon grand frère va t'appeler. Pardon, dis seulement qu'on a fait ça par rapport au papier. Elle-même, elle a validé que c'est par rapport au papier parce que ça lavait aussi son image. Ça montrait que oui, c'est quelqu'un de bien. Elle a donné les papiers. Elle donne les papiers aux gens que sa mère a les papiers. Si la mère des fois avait les papiers, c'est qu'elle est au Cameroun depuis. Parce que même pour la matière, là, la matière gêne Flore. Parce que pour bouger, il faut chercher. La fille Doudou qui est quittée, qui a voyagé là avec les papiers de Flore, elle est entrée ici là. Elle entrait ici avec les papiers de Flore. Mais si on a conseillé la fille, elle est partie. Flore voulait l'exploiter pour qu'elle reste garde sa mère pendant qu'elle fait les tours. Ta mère t'a dit plusieurs fois devant moi qu'elle ne veut pas mourir, la porte fermée, qu'elle veut rentrer. Tu as commencé à pleurer. La fille qui gardait d'abord ta mère, l'Ivoirien qui gardait d'abord ta mère, est-ce que tu as payé l'argent de l'Ivoirien là? Tu n'as pas payé son argent, Flore. Tu n'as pas payé son argent. C'est pour ça que tu as profité derrière Doudou. La fille qu'elle avait fait la photo avec elle, la fille que Flore avait fait la photo avec elle à la Tour Eiffel. La fille arrivée chez Flore, elle a gardé la mère pendant 2 semaines. Les gens ont commencé à conseiller la fille là. Un matin, la fille appelle Flore, nous sommes à Limoges. Elle dit qu'elle veut partir voir sa famille en Belgique. Que si Flore ne rentre pas, elle va partir laisser la matière. Et la fille qui gardait la mère de Flore venait le matin, elle rentrait le soir. Quand la mère de Flore est tombée un jour, la mère a dit à Flore que s'il te plaît, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir seule dans la maison. Elle veut rentrer, la mère veut rentrer. C'est parce que Flore veut profiter qu'on donne les papiers à la matière. Elle demande la maison. Elle demande la maison du roi. Comme ça, la mère passe. Parce que sans papier, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner... la maison à sa mère. Elle voulait utiliser Doudou. Doudou est parti. Il y avait une fille là où les voix s'étaient sorties que oh, Flore a fait voyager une fille. C'était vrai.
C'était vrai, elle avait fait voyager une fille. La fille devait rester là-bas chez elle pour garder sa mère quand elle voyage. Et après, maintenant, on a commencé à conseiller la fille. La fille était déjà en contact avec sa famille de la Belgique et tout. La fille est partie. Qu'elle m'a donné les papiers. Parce que j'accepte ça chaque fois que c'est elle qui m'a donné les papiers. Tu m'as donné les papiers où? Quand? Tu m'as donné les papiers quand? Toi, tu peux donner les papiers à une personne. Je t'ai même proposé de donner les papiers à Manga du pays. Tu as refusé. Tu as dit que je ne donne pas. Que ne fais jamais ça. J'ai dit que non, moi, ça ne me dérange pas. Si je peux lui donner les papiers, comme ça, elle vient ici. Elle a, si on peut se... Je vais vous montrer mon récit. Vous allez voir si le nom de Flo figure. Si vous voulez capturer. Vous allez voir si le nom de Flo figure dans mon récit. Voilà mon récit. J'ai encore tous mes anciens documents. Si son nom figure... Je ne sais pas s'il faut seulement filmer. Attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Si le nom de Flo figure dans mes trucs. Voilà mon récit. Le nom de Flo figure où ici? Comme vous dites qu'elle m'a donné les papiers et que les photos qu'on avait faites. J'ai eu mes papiers en 2015. J'ai eu mes papiers ici là en Europe en 2015. Voilà ça. Elle m'a donné les papiers quand? Parce qu'elle vient se vanter pour montrer qu'elle est une fille gentille. Elle m'a donné les papiers. C'est un truc arrangé. Parce que quand elle dit aussi ça, on dit que, hey, ouais, la maman, elle est gentille. Ouais, franchement, Flo, tu es gentille. Maman, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Coco, tu es méchante. Une personne qui t'a donné les kaolo dans le pays ici. Pourquoi elle ne les donne pas à son petit frère? N'est-ce qu'elle a pris la fille Guinée, la fille, comment elle s'appelle? Elle a pris la fille antillaise là pour qu'elle puisse épouser le frère de Chop Chop au pays. Est-ce que le montant qu'elle a donné à la fille, c'était le même montant qu'on avait demandé? C'était pas le même montant. Quand elle vous dit qu'elle était à la canne avec la fille partait pour rien. C'est parce qu'elle partait épouser un gars pour les dos. Le mariage, pour qu'elle rentre, le gars entre ici là en bain. La fille partait épouser le gars. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à négocier. La fille s'est rendue compte que le prix que Flore avait donné n'est pas le prix que elle avait demandé. Elle ne connaît pas trop l'argent. Elle veut même annaquer sa famille. Elle n'a même pas honte. Au lieu de t'attaquer à tes cousines qui sont allées raconter des choses chez toi, sur toi, chez Compressor, tu dis que c'est moi qui allais dire à Marie-Lou que ta mère était folle. Quand ils ont commencé à t'insulter que ta mère était folle au pays, j'avais déjà des problèmes avec toi. Je n'avais pas de problème avec toi. Même le voice que ton petit frère avait envoyé concernant ta mère, c'est, j'avais juste envoyé ça à Joël Brown. J'avais dit à Joël que écoute ce, qu'on dit, ce que Raymond est en train de dire. Joël était dépassé quand il a écouté ça. Il a envoyé les photos de ta mère où la mère était couchée. Et ça, c'était moi. C'est ton petit frère qui avait envoyé. C'est ton petit frère qui avait envoyé. Ça, c'est moi qui avais demandé à ton petit frère de filmer la mère, m'a envoyé. J'ai juste envoyé à Joël. Tu m'as donné les papiers quand? Parce qu'on vient mentir que oui, elle m'a donné les papiers. Si tu es une femme, tu es française, non, donne les papiers à ta mère si elle entrait ici légalement. Si elle entrait légalement, avant l'expiration de son visa, elle devait avoir ses papiers. Mais c'est compliqué. Elle ne peut pas entrer. On ne peut pas lui donner les papiers. Quand tu entres par le Yiki-Yiki, c'est compliqué. Mes enfants ne sont même pas là. Ils sont sortis. Ils sont allés au centre commercial tourner un peu. Cette fille, j'ai aidé cette fille sans rien demander. J'ai aidé cette fille toujours avec les airs des femmes gentilles. J'aime pas des problèmes. C'est Coco qui me crée des... Je te crée des problèmes. Je te crée des problèmes. Je peux compter combien de femmes tu m'as déjà demandé de tester pour avoir des choses sur eux. Je peux compter l'enga que tu m'as déjà dit que Béon, on dit que l'enga est comme ça là. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, je fais. Et c'est toi-même qui finances parce que tu veux quelque chose sur la personne. Quand ça tourne mal, tu mets tout sur ma tête. C'est Coco. Hmm.
Parce que même quand Patricia fait que Patricia mène la parle, oui, tu m'avais publié. Patricia, quand tu dis que moi, je t'avais publié, je connaissais ton annonce. Pose-toi la question. Je connaissais ton annonce. Je ne connaissais pas moi ton annonce. J'étais publié que je connaissais ton annonce. Donc arrête la personne. Parce que quand on accuse une personne, quand quelque chose sort, tu sais d'où ça sort. Pourquoi c'est seulement moi que tu accuses que c'est moi qui t'avais publié? Tu n'accuses pas la personne qui connaissait ton annonce. Moi, je connaissais ton annonce. Oui, écoute, tu m'avais publié. C'est Coco qui t'avait publié. C'est Coco. Tout, c'est Coco. Tout ce qui est mauvais, c'est Coco. Alors, je vais vous montrer l'acte que elle a fait en Adou. J'ai dû vite faire là sur ce qu'elle a fait. Allô? Oui? Où on est là? Bah, pour Kéré. Affiché à la fortune. Ah, ouya. Ok, t'es là. Affaire, rappelle-lui ou non, s'il te plaît. Ok, merci. Une personne qui t'a donné les papiers dans le pays. Voilà, regardez le truc de ma fille. Je casse son nom de famille. Ma fille porte le nom de ma bien-aimée, Oko. Voilà. Voilà ça. Si le nom de Flore figure même un peu. C'est le nom de Flore figure ici là. J'étais jalouse de Patricia Mel parce qu'elle a acheté une voiture. C'est toi qui cours. Tu parles. Après, on dit que les bambous sont les serpents à deux têtes. Tu es plus serpent à deux têtes que moi. Parce que le jour là, tu avais bien arrosé. Tu avais bien arrosé la voiture avec le champagne. C'est toi qui reviens dire que dans tout ça, c'est le piment. Hein? Dans tout ça, c'est le piment. La jalousie de ça. C'est pour moi que tu vas venir exposer. Pitié. Pourquoi tu as pitié de mon bébé, ma soeur? Ma fille est tranquille. Son père s'occupe bien de sa fille. Moi-même, je me bats pour mes enfants. Je suis entrée ici en 2014. J'ai fait entrer mon premier fils en 2017. Hein? Si je fais tout ce que je fais là, c'est pour mes enfants. Voilà l'acte qu'on a fabriqué. Pour montrer que c'est pour qu'elle envoie à maman Pépé. Elle envoie à maman Pépé. Voilà l'acte qu'on a fabriqué pour envoyer. Voilà ça. On a mis son nom. On a mis son prénom. Ça se voit même. Ça se voit. Ça. Voilà, voilà ça. Elle dit que ouais, fais vite. Parce que Pépé, tu me demandes, ne fais pas honte. Elle dit qu'attends, l'ordinateur s'y dérange. J'ai tiré ça vite fait, j'ai juste modifié quelques trucs. J'ai tiré vite fait. On l'a envoyé. Elle a envoyé à maman Pépé. Comme ça. Ça, c'est l'acte de naissance. Parce que j'ai pris le temps le jour-là. J'ai sorti le livret de famille. J'ai aussi sorti l'acte de naissance. Le faux, c'est ma passion. Je n'ai pas dit que Patricia avait tiré les valises. J'ai dit ceci. Quand l'affaire de Patricia est sortie, Patricia m'accusait seule. Elle m'accuse. Quand tu m'accuses, Patricia, est-ce que moi, je connaissais ton annonce? Je ne connaissais pas ton annonce.
La personne qu'on peut même publier son annonce que oui, je connais, c'est Nader. Je connais l'annonce de Nader. Je connais les numéros de qui sont là-bas. Même si elle modifie le titre, je sais que c'est Nader. Je sais que c'est elle ici parce que je sais où elle trouve ses photos. Je connais les annonces de Nader. Toi, tu viens m'accuser que Coco Coué tout avait publié. Je connaissais ton annonce. Parce que je suis devenue votre bête noire sur Facebook. Tout, c'est moi. La personne qui avait vous, qui rit avec vous, qui vous tue, elle met sur ma tête. Quelqu'un t'envoie quelque part, tu peux faire quelque chose. C'est maintenant que cette fille m'a fait des choses ici, là. Les abeilles ont commencé à dire que Mafo, on t'avait déjà dit, Mafo ne voit plus Coco. Elle ne voit plus Coco, hein. Elle ne voit plus Coco. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi je l'enregistre souvent, non? C'est pour des cas comme ça. Quand elle veut seulement me salir, j'envoie, même en faux profil. Même dans le noir, j'opère. En faux profil, j'envoie quand elle m'insulte. Elle me faisait le chantage avec une vidéo, là. Ça, c'était le matin. Et ça, c'est le message quand elle partait pour l'anniversaire de la petite. Ça, c'est le message du matin. Où elle pleure que son cœur saigne. Parce qu'il paraît que sa mère fait un direct. Tu pensais que c'est les pleurs là qui allaient me freiner. Elle est d'abord partie faire un post sur la dame du pays. Là. Après, elle a supprimé. Elle ne savait pas que les gens avaient déjà pris ça. Elle déteste la dame du pays là jusqu'à... Elle menace même que si je passe chez la dame avec l'enfant. Je vais vous poster les captures d'écran. Si je passe chez la dame avec l'enfant, elle va me tuer. Que je ne pars pas là-bas avec sa fille. Elle reste avec l'enfant. Comme si j'avais fait l'homoparentalité. Flore, j'ai fait ce qu'on appelle la coparentalité. Le père de mon enfant est présent dans la vie de l'enfant. Tu sais, chaque fois quand tu le vois ici, tu es mal à l'aise. Tu mets le monsieur mal à l'aise. Quand il veut venir ici, il me demande d'abord si toi tu dois venir ici. J'ai dit non. Tu mets le monsieur mal à l'aise, il est toujours jeûné. Tu sais qu'il doit partir avec l'enfant. C'est à l'heure là où tu veux descendre en bas avec l'enfant, juste pour mettre le type là mal à l'aise. Il arrive, il se déplace de Nantes pour ici. Il fait 45 minutes de route. Il arrive, tu sais qu'il vient prendre l'enfant. C'est où toi tu descends avec l'enfant? Sorcier. Rembourse l'argent du petit qui est chez Amé Kamé. Rembourse son argent. Quand il jongle comme ça, là, ça lui permet de payer ses factures. Rembourse l'argent du petit, là. Il t'appelle, tu ne décroches plus. Le gars dit même que tu as parlé, que depuis, tu devais l'appeler, tu n'as même pas appelé le petit, là. Attends. Il a même prononcé ton nom sur un truc ici, là. Il dit que Flore, que depuis, il n'a pas les nouvelles de Flore. Le petit n'a pas de nouvelles depuis. Parce que tu ne veux pas donner son argent. Tu veux que ça reste sur ma tête. Le premier, le petit l'a envoyé. A regardé le message que le petit envoie. Voilà, voilà ça. Appart brief. Voilà le message que le petit envoie. Tu as pu parler avec Flore pour la bouteille. Le petit d'autrui me manque le respect comme si c'est moi qui avais fait tous ces dégâts là-bas. Alors que c'est Flore. Quand j'envoie à Flore, Flore commence à menacer. Il faut lui dire que je vais faire un direct sur lui. Il va se calmer, bé. Il est procéné. Il est procéné que tu travailles, c'est chez lui que tu donnes tes dos. Ah, ça.
Petit dit même que Amen va arriver. Donc il veut régler tout ça avant que son frère n'arrive. Parce que Amen ne sait pas que le petit tombe la piole. Il fait ses choses derrière, il a ses petits dos. Amen n'est pas prosénète. C'est un petit qui est là-bas qui gère souvent. Je vais vous montrer le message de Flore. C'est qu'elle a dit que je dis au petit là. Elle a appelé même, j'ai enregistré. Vous allez écouter l'enregistrement quand je vais commencer à faire écouter les enregistrements où Flore est en train de dire que Béon ne donne rien. Mais ce sont des prosénètes. Dis-lui que je vais faire un direct sur lui, il va se calmer. Comme tu fais des directs, tu vas faire le chantage aux gens. Nadège a dit que j'ai envoyé l'argent à une dame. La dame a construit la maison avec. Elle vient encore, elle pleure l'autre là que c'est son argent que je prends. Je prends ton argent que moi-même je ne sais pas work mes dos. Que la dame du pays a construit la maison avec son argent. Que je vole son argent. Je suis dans le transfert commun. Voilà. Avec, écoutez, elle dit que c'est le gars qui doit me rembourser. Une personne, on a work chez le gars, tu devais payer. Tu n'as pas payé, j'avais payé la première semaine. C'est elle qui menace, mais voilà la capture du gars que je l'envoie. Le gars comptait les choses que Flo allait lui donner. Elle dit que c'est lui qui doit te rembourser. Et la bouteille, tu avais déjà déposé avant qu'on ne ferme la maison. Écoutez le mensonge. Il va gagner encore après tout ce problème. Tout quel problème? Que le gars veut gagner encore après tout ce problème. Au lieu de rembourser l'argent, elle ne rembourse pas. Bébé, quand j'ai baisé avec toi, quand je faisais avec toi, tu as fait quelque chose. Tu as envoyé à Nadège, j'ai envoyé Pian. Je vais vous dire pourquoi j'ai envoyé à Nadège. J'avais envoyé à Nadège parce que quand Flore m'avait insulté, parce que c'est que Nadège a là, c'est après les problèmes de Amot et Flore. Quand Flore m'avait clashé en 2019 et j'étais en contact avec Nadège, quand Flore a commencé à revenir, parce qu'elle sait comment, quand elle veut revenir vers moi, elle sait comment me prendre. Elle commence par donner les cadeaux aux enfants. Vous savez comment les enfants du pays aiment l'argent. Elle commence par les petits cadeaux, elle attire les enfants. Des fois, je suis moi là tranquille, l'enfant me dit que Flore veut me parler. Elle appelle que le téléphone de l'enfant quand elle veut me parler. Parce qu'elle a dit qu'elle est revenue vers moi quand j'ai dit que j'avais donné son nom à l'enfant. Flore n'est pas venue, le jour où je faisais le transfert d'embryon, Flore n'est pas venue me voir. Flore n'a pas, elle n'a pas voyagé avec moi parce que le père de mon enfant devait être là. Normalement, on partait ensemble. Je devais partir avec Flore. Et elle vous dit que elle est revenue vers moi quand je l'ai appelée pour lui dire que l'enfant portait son nom. L'enfant portait son nom comment? Puisque même sur le bracelet, quand Flore arrive à l'hôpital, on voit bien le prénom de ma fille. On voit bien Léana Indo sur le bracelet. On voit le bracelet avec le nom de l'enfant. Comment je vais dire à Flore que j'ai donné ton nom à l'enfant alors que Flore est venue voir l'enfant à l'hôpital? Flore est venue voir parce que j'ai envoyé les photos. Quand j'ai accouché, j'ai envoyé les photos à Nadège. Et je n'appelais plus Nadège parce que Flore était à l'hôpital. Chaque fois quand Flore était à côté de moi, je ne pouvais plus parler avec Nadège. Le nom de Nadège, c'est maintenant que j'ai modifié. Elle s'appelait Aïchetou. Deux fois, Nadège m'appelait comme ça devant Flore. Flore prend le téléphone, elle me donne, elle s'est dit que c'est une sœur Bamoun. Elle dit que tes cousines t'appellent. Et c'est Nadège qui appelait. Elle dit que c'est moi qui l'avais appelée pour lui dire que l'enfant porte son nom. C'est pour ça qu'elle est revenue. Alors que toute la grossesse, j'étais avec elle. Jusqu'au jour où j'accouche, elle arrive ici là à Angers pour venir voir l'enfant. Mais ça, à l'hôpital, l'enfant a le bracelet sur la main. Elle est partie mentir que l'enfant porte son nom. Elle a dit à Maman Pépé que ma fille portait son nom. Maintenant, elle est obligée de prouver à Maman Pépé que l'enfant porte son nom.
Je suis allée rajouter, je suis allée enlever le prénom de l'enfant. J'ai rajouté son prénom pour qu'elle montre à maman Pépé. Je suis revenue vers elle. Si je savais que tu étais encore avec Nati, tu étais en contact avec les filles de Facebook, je n'allais jamais revenir. C'est toi qui pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. C'est toi qui danses la danse Bafia. Je ne me dérange pas. Et je vais faire Mouni va te bloquer. Je vais faire Mouni va te bloquer. Tu l'appelles, ça ne passe plus. Je change encore son numéro comme j'avais fait la dernière fois. Parce que vous voyez, Flo, si elle se fait passer pour une personne qui est tellement gentille. Flo faisait souvent qu'elle parlait avec mon fils. Elle appelle l'enfant. L'enfant vient rester au salon à côté de moi. Je ne sais pas que l'enfant est en ligne. Elle est en ligne avec mon fils. Je vais rester, elle va commencer à se plaindre que la femme qui était chez toi comme ça, là, c'est qui? La femme qui était... Elle fait mon fils filme les gens. Mon fils l'envoie. Un jour, je tombe sur le téléphone de l'enfant. Si Nadège est honnête, Nadège peut parler. J'avais envoyé la vidéo à Nadège quand j'ai tapé sur mon fils. J'ai expliqué à Nadège. J'étais en colère le jour-là. Je vois le téléphone de l'enfant. Je vois supprimer pour tous. Et je vois où Flore dit que supprime tout. Et je pose la question à l'enfant. L'enfant me dit que non, il était en ligne avec maman Flore et tout. C'est elle qui lui demande de filmer. J'ai dit quoi? J'ai que donc, Mouni, tu peux me trahir. Je peux rester comme ça avec une personne. Tu filmes les gens qui viennent me rendre visite, tu l'envoies. J'ai changé, j'ai cassé le téléphone de mon fils. J'ai changé son numéro. Et maintenant, mon fils est sage. Il sait que sa mère reste sa mère. Tu arrives à la maison, tu donnes quelque chose à l'enfant. Tu dis que l'enfant ne me montre pas parce que tu veux l'acheter. Tu vas acheter un enfant. Parce que Flore est que qu'elle arrive quelque part. Vous allez voir que les enfants sont trop attachés à elle. C'est parce qu'elle sait acheter les enfants. Oui. Et qu'elle donne l'argent à l'enfant. Elle dit que ne montre pas à maman. Garde, garde. Tu peux acheter tes choses. Elle flatte l'enfant avec les 50 euros, les 100 euros. Comme ça, quand il y a quelque chose, elle demande à l'enfant. L'enfant dit vite. Si je parle aujourd'hui, je ne pouvais même pas parler. Si je suis venue parler aujourd'hui, c'est par rapport à ton comportement. C'est par rapport à ton comportement. Tu pouvais te lever, tu parles. Tu ne me rabaisse pas, tu ne dis pas au roi. Si le roi de chez nous m'arrête, le roi de chez vous doit t'arrêter. Parce que toi-même, tu ne représentes rien dans ton village. Ton petit frère te dit ça chaque fois. Si je veux même sortir les enregistrements de ton petit frère, les gens vont rester comme ça, ils vont dire que non, on parle de Flossie et c'est ton vrai petit frère, même père, même mère qui parle de toi comme ça. Jusqu'à dire que je suis venu parler, c'est les frères de Coco, le roi, on va arrêter Coco. Si on m'arrête, on va aussi t'arrêter. Puis ça, ce que je fais, c'est ce que tu fais. J'ai donné les papiers à cette fille. Vous savez, quand je l'ai connue, elle m'a dit qu'elle n'avait pas les papiers. Vous-même, vous croyez, les fans, là, les abeilles là vont croire ça, que tu vas trouver quelqu'un en route comme ça, la personne va t'expliquer.